Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing avec le site DIY Shoes. J'ai trois articles à vous présenter. Deux toiles de point de croix de Noël, une en estampé et une en point compté. Je vous avoue que le point compté, j'ai découvert qu'il était compté au moment où j'ai écrit les articles sur mon petit carnet. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'en ce moment, je me lance dans le point compté, et ben, ça me dérange pas trop. Et un petit stylet diamond painting que j'ai trouvé super sympa. Allez, c'est parti. Alors, je sors tout sur le côté. D'ailleurs, on a une toile, celle en estampé, et de chez Joyce and Day. Alors, le premier stylet... C'est un petit stylet de Noël comme ça, pas cher, hein, 1,40€, vous voyez. Il existe plein de modèles comme ça, ils sont sur le thème de Noël. Il y en a des verts avec des petits sapins, des pères Noël. Et j'ai trouvé ça sympa. Avec tous les objets spéciaux que je vais diamanter cet hiver, eh ben, je me suis dit, autant avoir le petit stylet de Noël adapté. Et en plus, il a l'air vraiment bien. Alors, comment ça fonctionne? D'accord. Ah, c'est trop bien parce que ça, du coup, vous pouvez l'attacher à vos stylos d'école, par exemple. Ou vos stylos, ceux qui travaillent au bureau ou en secrétariat, vous pouvez mettre ce petit embout. Ça, c'est super sympa. Alors, attendez. Mais c'est pas un stylet, ça se trouve, ce truc? Ah, si. Alors, on a le petit capuchon. Ah, c'est sympa. Hein. Vous voyez, donc, c'est dur à mettre, mais au moins, ça tient bien. Voilà. Et petit capuchon, les mousses que vous voyez là, c'est même pas de mousse, c'est une grande mousse et bien épaisse et elle glisse pas du tout. Alors franchement, ceux qui aiment bien les mousses sur les stylets, je sais que des fois on reçoit des stylets avec des mousses et on a deux mousses sur le même stylet, mais ça glisse des fois, ça sépare. Et là, c'est on a qu'une seule mousse bien épaisse qui bouge pas, très sympa. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça sent rien. Ouais, très bien, il est bien grand, le capuchon s'ouvre bien. Non, rien à dire de plus, franchement, très sympa. Voilà, pour le premier article, vous me verrez du coup sûrement diamanter mes petits objets de Noël avec ce stylet. D'ailleurs, je vais le remettre dans sa petite pochette. Hop. Voilà, 1,40€ pour ce petit stylet. Ensuite, on va passer à la toile Joyce and Day de Noël en estampé, qui est une toile très connue, mais que je trouve tellement magnifique, pleine de douceur, comme dirait ma petite Isa, pleine de tendresse, pleine de belles choses. Voilà, on a un lac enneigé avec des enfants qui font du patin à glace. On a des enfants ici qui décorent un grand sapin de Noël bien lumineux. La neige, le petit enfant qui fait de la luge, les chiens, le village au loin... Tout le paysage est enneigé, le petit pont, enfin, j'adore. J'ai trouvé très belle cette toile. C'est une toile en 14 CT qui fait 52 par 40 cm. Et on va la regarder ensemble tout de suite. Hop. Ah ouais, j'ai trop hâte de la faire. Ah, 8 pages. Moi qui va se lancer dans un projet qui fait 160 pages. Quand je vois déjà 8 pages, que c'est énorme en fait. Alors, hop, voilà, donc je vous refais voir le modèle. Ah, il est beau, hein. Et j'avais pas vu du coup la... Ah ouais, c'est vrai, regardez ce détail-là. La petite guirlande au pont et toutes les petites guirlandes autour des toitures de maison. J'adore. Hop, notre père, hein, chez Joyce and Day, toujours très bien imprimé. Je pense que au niveau des détails, etc., en plus, on n'a pas le détail des visages des enfants. Enfin, je pense que ça va être super magnifique. Je crois qu'on va avoir du French note parce que je le vois tout de suite pour le détail des guirlandes. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez les petites maisons et tout. On a beaucoup de points arrière, hein, forcément, Joyce and Day. Et puis, même si ça peut être chiant des fois de faire le point arrière, eh ben, c'est vrai que des fois, ça change tout, hein. On a 46 couleurs, deux couleurs de French note, donc le petit nœud français, et une, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs de backstitch, donc le point arrière. Voilà, le backstitch, hein, c'est tout ce qu'on voit dessiné en noir, ou ça peut être d'ailleurs autre chose que du noir, en jaune par exemple. Sur le point de croix, c'est ce qu'on viendra faire en dernier
pour, c'est donc ça un point arrière, pour donner tout le détail des contours des vêtements, des contours de l'écharpe, du bonnet, etc. Par exemple, ici, le contour du tabouret. Et le French knot, c'est un petit nœud, du coup, qu'on vient placer sur le devant de la toile qui vient faire le relief des yeux des animaux, des flocons de neige, comme ici, pour faire les petites boules, les petits points dans la guirlande. Enfin, voilà. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Et donc, comme j'ai dit, c'est une toile. Oh là là, on a l'air d'avoir des belles couleurs. C'est une toile en 14 CT. Alors, que je la prenne du bon côté. Ah ouais. Qui est au niveau des confettis? Alors, dur à dire. Confettis à certains. Enfin, attention, confettis, non. Si, par rapport à certaines toiles que je vous ai déjà présentées, vraiment confettis, pour le coup, là, on ne peut pas appeler ça une toile confettis. Mais on a quand même des cases où on a pas mal de couleurs. Comme par exemple, bon, ici, ouah, pas mal de couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, entre 8 et 9 quand même couleurs par case. Après, on a des cases où on n'a qu'une seule couleur par case. Le sapin, peut-être encore un peu confetti. Non, franchement, ça va. Ça va parce qu'on a quand même des changements de couleurs, mais avec, vous voyez, c'est pas des symboles où on n'a qu'une ou deux croix à faire. Souvent, quand on a une couleur, on a quand même une belle zone à broder autour. Voilà. Eh bien, écoutez, Joy Sunday, hein, donc toile surjetée. Je regarde si je filme et si mon micro est allumé. Oui. Donc, voilà pour cette petite toile. Très, très, très sympa. Vraiment très belle. Et on va regarder les fils. Et là, on a l'air d'avoir des belles nuances de bleu. Donc, comme d'habitude, on a nos deux petites aiguilles dans un sachet zip. Et regardez ce beau violet, là. Regardez ces beaux bleus, ces beaux violets. Ah, on a deux plaquettes. Bah oui, forcément, comme on a... un certain nombre de couleurs. Voilà, regardez tous les bleus, des beaux jaunes, des beaux verts. Et puis forcément, on a toutes les couleurs pour faire un sapin de Noël, hein. Donc du rouge, du jaune, du bleu, du vert. On a même de l'orange, des marrons. Mais les couleurs principales, on va dire, ce sont les bleus. Et on a même du blanc ici. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ça va être très sympa à faire. Très beau projet de Noël. En 14, c'était. Alors, cette toile, elle vaut 11,10 €. Hop, je vais la ranger. Alors, moi, je mets mes fils comme ça, mais c'est vrai que du coup, ça fait des gros, des grosses bosses. Hop, hop. Voilà, je vais essayer de la passer rapidement dans le sachet zip. Les incontournables pochettes de chez Joy Sunday qu'on aime tous. C'est vrai que c'est très agréable de recevoir des points de croix dedans. Alors, tac et tac. Allez, on va passer au dernier article qui est toujours un point de croix sur le thème de Noël, mais comme j'ai dit cette fois-ci, en point compté. Alors, cette toile, je l'ai vue sur la chaîne d'Isa. Isa, ma belle Isa, qui a présenté cette belle toile. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, ouh, toi, Isa. Je sens qu'on va encore avoir une toile en commun. Parce que je l'ai trouvée très très belle. Mais alors, du coup, j'ai un doute. Je ne sais plus du tout si Isa l'a eu en point de croix. Enfin, en point compté ou en point estampé. Je ne sais. Mais alors, vraiment, plus du tout. Je me souviens qu'elle a choisi cette toile. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pris cette toile. Mais je ne sais plus du tout si elle était. Tu me le diras dans les commentaires, Isa. Mais je ne sais plus du tout. Alors, regardez comme elle est belle avec le petit bonhomme de neige, la cheminée ici. L'allée comme ça qui fait des petits arrondis tout enneigés, le petit cheval ici. Enfin, franchement, j'adore. Tous les sapins de Noël enneigés. Enfin, trop trop beau quoi. On est vraiment dans l'ambiance de Noël là. Il n'y a pas particulièrement de déco de Noël. Je veux dire aussi, on a quand même des petites lumières. Si, 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 des petits neuneux. Mais c'est vraiment une super toile. Très sympa. Alors, DIY Cross Stitch. DIY Cross Stitch. J'ai vu qu'ils avaient fait des efforts. Hein. Vous vous souvenez, le dernier unboxing Paint Some Way, là, avec les deux toiles que je vous ai fait gagner, et ben, c'était toutes les deux du point compté et il y avait des petits efforts. On avait plus de couleurs, les patrons étaient mieux imprimés. Mais après, tout dépend si c'est des anciens modèles ou pas. Et on avait cette histoire. Voilà, donc là, c'est un nouveau modèle. Et ce que je veux voir tout de suite, non, là, on l'a pas.
On avait justement sur une des toiles dit iCross-Stitch un scan, un code barre juste ici. Et je me suis dit, tiens, c'est tu sais quoi. Et en prenant le code barre, en fait, on retombe électroniquement sur Internet à notre diagramme sur Internet. Et ça, c'est génial. Donc, c'est quand même une belle avancée. Là, on l'a pas. Je pense que c'est vraiment sous les tout derniers modèles DIY Cross Stitch, je sais plus comment ça s'appelle. DIY Cross Stitch. Ou alors, peut-être qu'ils font ça sur certains modèles. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, regardez bien quand vous recevez des toiles de chez eux. Parce que si vous avez le code barre, vous allez pouvoir avoir le diagramme. Et quand c'est du point compté comme ici, c'est génial. Il y a quand même un effort hein, sur le patron, c'est du papier glacé, les symboles sont... En fait, le seul effort qu'il pourrait faire en plus, je trouve maintenant, ça serait de le faire en plus grand. C'est déjà en plus grand qu'avant. Et surtout, l'impression, elle est mieux. Là, on voit bien, c'est net, vous voyez. Mais c'est vrai que là, pour faire du point de croix compté, les cases restent assez petites. Donc, ça serait bien, il faut prendre des photos, zoomer ou essayer de télécharger sur une application de point de croix. Mais c'est quand même une belle avancée. On a 25 couleurs. Et elle est confetti, mais franchement, j'aurais imaginé plus. Il y a des confettis, hein, mais c'est... Il y a des confettis. Ça dépend. Quand je passe d'une case à une autre, je dis, oh, ça va. Oh, il y a des confettis. Mais non, ça reste relativement correct. C'est pas une toile avec des gros blocs, hein, mais j'ai déjà vu pire. Alors, vous voyez, la dernière fois que j'ai reçu une toile de DIY Cross Stitch, il y a des traits qui ne sont pas faits en entier. Je pensais que c'était une erreur, mais du coup... Comme celle-ci, c'est pareil, je sais pas. Est-ce que c'est leur machine qui imprime mal? Bon, c'est pas dérangeant. Et ce qui est génial, c'est que les cases sont tracées. On a ici nos nombres de points. Donc ça, c'est super bien. C'est vraiment une bonne aide quand on fait du point compté, quoi. Voilà. Hop! Rien à dire de plus sur la toile. Puisque du coup, on n'a pas les symboles à regarder. On a deux petites aiguilles ici plantées dans notre toile. Et au niveau des couleurs, ben, on est sur des couleurs... très clair, enfin très clair, pas pour tous, mais on a des beaux blancs, un crème ici, c'est rare que je reçois du crème comme ça, des marrons, et là, ici, on a des gris, un peu de bleu, du violet, encore du blanc, encore des crèmes, des couleurs bah, qui changent un peu des bleus, des roses, non, là, c'est très sympa, et bah, c'est pareil, c'est encore un modèle qui va être très beau. Bon, je suis peut-être un petit peu rapide, mais je pense que je vous ai fait voir tout ce qu'il fallait. C'est parce que j'ai ma belle-mère qui arrive bientôt. On va aller rechercher mon fils à la crèche. Donc voilà, en tout cas, je vous refais voir le modèle, mais il est vraiment très sympa. Et cette toile, elle vaut 9,08 €. Eh bien écoutez, moi je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vais ranger tous les articles tranquillement de mon côté. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye!